Salut tout le monde, c'est Missy Deli. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que la plupart d'entre vous attendez. Donc on est le 3 mars, la Nintendo Switch vient de sortir en France. Et donc voilà, je l'ai commandée. Donc elle est là devant moi. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo pour faire l'unboxing de cette nouvelle console. Voilà. Donc on va commencer maintenant, donc on va ouvrir la boîte. Comment ça s'ouvre? D'accord, je comprends pas. Ah d'accord. Oui, donc. Donc voilà. Donc la boîte se présente comme ceci. Donc comme vous la voyez comme ça. Donc on va commencer par déballer le premier Joy-Con, donc le Joy-Con rouge. Donc le Joy-Con rouge, donc ça va. En fait j'avais peur de la taille du Joy-Con parce que en fait je m'attendais à vraiment beaucoup petit. Plus petit que ça, donc ça va, la prise en main est assez bonne. Voilà. Donc on va poser ça là. Donc on va passer au deuxième Joy-Con. Donc le Joy-Con gauche, le Joy-Con bleu. Donc le Joy-Con bleu, bah, c'est pareil que le Joy-Con rouge. La prise en main est la même. Pareil, j'avais un peu peur pour les. Enfin j'avais un peu peur pour les deux Joy-Con. Mais ça va, la prise en main est correcte. Donc on va poser ça avec le Joy-Con rouge juste ici. Donc on va passer au truc, un des trucs les plus importants. Bon, les Joy-Con aussi c'était important, mais voilà. Donc la tablette de la Nintendo Switch. Donc derrière il y a marqué Nintendo Switch. Voilà, ce qui est normal. Donc on va la sortir. Donc la voilà, la voici. Donc en haut nous avons les boutons plus et moins, ainsi que le bouton power. Au-dessus nous avons le petit truc pour mettre la carte de jeu et la prise casque qui est juste ici. Donc on va refermer ça. Et en dessous, nous avons la carte SD qui se situe juste ici. Et la prise pour brancher tout simplement, charger la console. Et nous avons derrière la petite trappe qui permet de poser la Nintendo Switch. Ok, ça tient pas trop. Voilà. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc on va voir ce que. Je vais essayer de brancher, de mettre les Joy-Con sur les côtés. Donc ça, je pense que c'est le Joy-Con droit. Le Joy-Con droit. Ok, je vais prendre ça en l'air. Ok, ça va être un petit peu compliqué, je pense. Comment se branche ce truc ? Désolée, hein, j'ai jamais fait ça de ma vie, ça va être un petit peu compliqué. Comment se branche ce truc? Ah d'accord. C'est compliqué. Hein. Ah, voilà. Donc le premier est branché avec un petit peu de difficulté. Donc on va brancher le deuxième. Ah d'accord, donc vraiment
Donc ça y est, donc c'est branché comme vous le voyez. Donc les deux, ok. J'ai l'impression qu'il est un peu mal mis. Hein. Mais bon, voilà. Donc on va passer à la deuxième partie de la boîte. Donc on va poser ça là. Donc juste en dessous. Donc nous avons ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, donc ça qui est le Joy-Con Grip. Donc c'est la manette que vous allez utiliser lorsque vous jouez en version télé, donc en version console de salon. Donc on va débrancher les deux. Attendez. Et on va les mettre sur ce Joy-Con Grip. Hop, on va poser ça là. Donc, je suppose que c'est pareil. Voilà, là j'y arrive mieux. Voilà. Et donc le deuxième. Donc voilà, donc à quoi ça ressemble. Donc voilà, la prise en main elle est plutôt pas mal. Voilà. Donc on va passer à ce petit truc. Donc ce truc qui est quand même super important. Ok, ils ont mis deux trucs. Donc ça, donc qui est l'endroit où vous mettez votre tablette quand vous jouez en version télé et qui permet également de la recharger. Donc derrière, j'ai pas envie de casser le truc, ça me fait peur. Hop, voilà. Donc les prix. Donc là vous allez brancher tout simplement les prises. Donc il y a deux prises USB et le chargeur de votre le chargeur de la là pour brancher le votre tablette. Donc ensuite nous avons donc ça donc qui je pense sont les Dragon des Joy-Con pour pas pour tout simplement éviter les dégâts. Et ainsi que les boutons L et R qui vont nous être utiles dans certains jeux. Donc on va reprendre notre Joy-Con. Donc ça c'est le Joy-Con plus. Donc c'est l'autre. Bon, on va prendre le celle du Joy-Con moins. Donc ah, j'ai du mal à le mettre, comme vous le voyez. Ah d'accord. Je vois. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est si vous voulez jouer tout simplement One to Switch, ce genre de jeu là. Donc on va prendre le deuxième Joy-Con, le Joy-Con rouge. Donc le Joy-Con, donc nous avons la dragonne du Joy-Con rouge. Ah, je vais avoir du mal à les mettre hein, au début. Hein. Voilà. Désolé. Donc. Ah, j'ai l'impression qu'il n'est pas bien mis. Voilà. Donc, pareil. Donc, ça, c'est celui du Joy-Con droit. Donc, voilà. Donc, c'est pareil. C'est pour le genre de jeu One to Switch, etc. Donc, on va passer donc la notice, voilà, qui ne sert à jamais à rien. Qui ne sert à rien, voilà. Donc, ensuite, nous avons... le câble HDMI pour brancher sur votre télé. Et donc enfin, donc qui fait partie des choses les plus importantes. Donc nous avons la prise pour recharger votre Nintendo Switch. Donc ça se branche sur la tablette. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à aller vous abonner et bye tout le monde.